Tout le monde est sur le pont. Bon, c'était à la carte ce matin, ils sont restés, ils ont fait du vélo, ils ont fait un salle. On verra demain par rapport à la mise en place et s'il n'y a pas de bobos d'ici là. Mon ressenti, j'ai mis Oyongo, il revenait de blessure et il a retrouvé son poste. Moi, je savais que ni l'un ni l'autre était capable de faire le match plein et j'ai choisi Oyongo. Mais il a fait pratiquement toute la saison avec nous et chaque fois qu'il a joué, il avait été dans l'ensemble performant. Voilà, il connaît bien ce rôle. Après, j'attends toujours plus quand je joue dans ce registre-là, voilà, qu'on ait une meilleure animation dans le couloir offensivement. Hein, que ce soit quand c'est Ambroise qui joue, quand c'est Paul ou Mihailo, voilà, il faut qu'on amène un peu plus de variété dans. On a le côté droit qui dans l'ensemble qui s'anime bien et côté gauche il faudrait qu'on ait la même chose. Déjà à domicile on est un peu plus performant que l'an dernier. Ouais, il faut qu'on continue à garder cette dynamique-là sur les matchs qui vont arriver. Voilà. Il nous en reste trois et il faut qu'on arrive à faire un carton plein à la maison et puis qu'on garde la même attitude à l'extérieur qu'on met à la maison. Il faut qu'on soit plus agressif offensivement, il faut qu'on soit plus juste offensivement, qu'on soit plus déterminé dans ce qu'on fait dans le jeu. Ce qu'on est capable de faire à la maison, il faut qu'on arrive à le transcrire à l'extérieur. Ce qu'on arrive à faire sur la phase aller, sur la phase retour, on a gagné qu'un. Il faut qu'on arrive à retrouver cette dynamique-là aussi, garder cette attitude-là. Oh, c'est pas la saison passée, sur la phase aller cette année aussi, on a été très performants. On n'avait pas perdu beaucoup, on avait gagné 5 à l'extérieur, 5 à l'extérieur. Il faut qu'on arrive à remettre les mêmes ingrédients qu'on met à la maison. Il faut être encore plus agressif dans les 30 derniers mètres adverses. Ça demande de gagner les duels, ça demande de faire des courses gratuites, de la justesse dans nos passes. Hein. Et ils sont au courant, ils le savent. Et si on veut, comme je vous le répète tout le temps, on arrive dans la dernière ligne droite, il faut gagner le maximum de matchs pour être dans le haut du tableau. Chaque année, c'est toujours pareil. C'est les équipes qui gagnent. L'an dernier, c'est Rennes qui avait fait le meilleur final en gagnant beaucoup de matchs. C'est les équipes qui gagnent qui vont être là-haut. Gagner les matchs, on aura des confrontations directes. Et à la maison, on joue Nantes, Amiens et Paris. Et il va falloir les gagner. Strasbourg, ils font une très belle saison. Ils ont un bon coach. Ils ont un stade et un public fantastique qui est sublime à domicile. Voilà. On aimerait avoir un stade aussi bien rempli tout le temps et aussi bien animé. À la Mosson, ça apporterait un plus à l'équipe. Non, mais ils sont collés, ils sont pas loin de nous derrière, ils sont à 4 points. Ils vont avoir l'envie de nous faire chuter et à nous de faire le match qu'il faut pour aller gagner là-bas. On sait que ça va être un match difficile devant un public qui est acquis à leur cause et qui va être derrière leur équipe. À nous de faire le match qu'il faut dans l'engagement, techniquement, tactiquement, il faut qu'on soit bien au point pour aller conquérir la victoire. Qui est Strasbourg? Ben,
Ils ont fait un recrutement judicieux, voilà, ils travaillent bien et puis ils ont trouvé une meilleure efficacité aussi offensivement et ils marquent beaucoup de buts. Même s'ils en prennent aussi, mais ils marquent beaucoup de buts. Ils donnent les moyens d'aller gagner les matchs. Bon, on s'envoie des textos de temps en temps et j'ai plus de rapport avec Fabien qu'avec Thierry. Mais quand on se croise, on est très heureux de se revoir. Ben ouais, bien sûr que oui. On a envie de. Comme tout entraîneur, j'ai envie que mes équipes jouent bien, qu'on joue vers l'avant, qu'on ait une bonne tenue du ballon, qu'on ait des attaques rapides, qu'on ait un peu de tout. Il faut avoir de tout dans toutes les panoplies. On essaye de faire progresser les joueurs pour gagner les matchs.